Le directeur général adjoint de Lonasi, Karim Ouattara, s'est prononcé sur l'affaire à Cette jeune fille d'origine burkinabé qui s'est révélée au grand public grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle elle exécutait une danse en bougeant les épaules. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dirigeant d'entreprise n'est pas du tout un fan de la « jeune fille ». Dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants. Je n'ai rien contre ceux qui sont révélés par les bus sur les réseaux sociaux, mais dans un pays où on prône l'excellence, il ne faut pas désorienter nos enfants. On ne peut pas vouloir une société d'excellence, et faire la promotion de la médiocrité. Les chaînes de télévision n'appartiennent pas au Président de la République, si le Président de la République commence à dire aux chaînes de télévision, voici votre ligne éditoriale, on va la traiter de dictateur, parce que c'est les médias, si nous ne pouvons pas nous passer de ceux qui font le babuse, au moins à côté, faisons la promotion de ceux qui s'illustrent bien. A-t-il lancé Et pour joindre l'acte à la parole, Karim Ouattara a décidé de récompenser les meilleurs élèves au BAC 2023. « Je ne sais pas qui est le premier au plan national au niveau du bac. Mais dites-lui qu'il a un million avec le Président Karim Ouattara. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, chacun a 500 millions de CFA avec moi, ça fait en tout, 2 millions de CFA. » a-t-il indiqué. Poursuivant, le DG Adelaide a exhorté les cadres et élus locaux à recevoir les meilleurs élèves de leurs différentes localités. Ce qui, selon lui, pourrait encourager de nombreux jeunes gens à rechercher l'excellence.